bienvenue sur Chart TV pour la 10e journée de la Ligue 2 féminine. Le C-Chart Basket féminin reçoit le Cavigal Nice Basketball. À mes côtés, Benoît Marty. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Vous êtes sur une série de 5 victoires consécutives. C'est la dernière partie de 2023. Comment abordez-vous cette rencontre ? On essaye de l'aborder avec le maximum de confiance et le maximum de détermination et de sérieux. On sait que cette équipe de Nice, c'est une équipe qui est un petit peu irrégulière dans leur performance, même dans le même match parfois. Mais c'est aussi une équipe qui est imprévisible. Donc il va falloir essayer de contrôler un certain nombre de choses. Mais bien sûr, nous, l'idée, c'est d'essayer de faire durer notre bonne série, notre bonne dynamique avant de partir en trêve. Donc vous êtes un petit peu méfiant vis-à-vis de cette équipe qui reste quand même sur une défaite qui peut faire mal et qui aurait à cœur de terminer la saison et de mettre fin à votre belle série. On est vigilant surtout parce que y a de la qualité en face, hein, elles ont des bonnes joueuses, certaines qui connaissent bien le niveau de Ligue 2. Elles ont été capables de battre Toulouse. Et on va se concentrer comme on fait d'habitude sur nous. Pour essayer de contrecarrer un peu leur plan, d'essayer de leur poser des problèmes aussi de notre côté, et puis de donner un beau spectacle à notre public qui est nombreux ce soir. Vous êtes sur un 2 sur 4 à domicile. L'ambition pour bien clôturer cette année, ce serait d'empocher la victoire et de passer en bilan positif à la maison. Oui, concrètement, on a laissé les deux premiers, donc on a plus trop de jokers à domicile. Maintenant, on veut montrer qu'ici, on doit être capable de plus lâcher le match et montrer que c'est compliqué de venir gagner ici et voilà, marquer notre territoire. Benoît, merci beaucoup. Bon match. Merci. Donc, le C-Chart qui reste très, très, très motivé pour remporter et passer en bilan positif à domicile. Je vais faire quelques mots avec le coach Alexandre Michailov de cette équipe de Nice. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en réussite à l'extérieur avec 3 victoires sur vos 4 matchs. L'objectif de ce soir, c'est clairement de venir empocher la victoire. Tout à fait. C'est, quand vous vous déplacez, vous avez toujours envie de gagner. Et quand c'est la même chose à la maison, vous venez pour gagner. Est-ce que la série de 5 victoires consécutives du C-Chart Basket féminin vous fait un petit peu peur ? Pardon ? Est-ce que la série de 5 victoires consécutives du C-Chart vous effraie un petit peu et l'envie, c'est de venir mettre fin à cette victoire ? Je respecte tout le monde et encore plus Charles qui a fait un parcours l'année dernière de très bonne qualité et qui a beaucoup d'ambition pour cette année. Effrayé, non, personne ne nous effraie. On est là pour lutter en tout cas et se mesurer à tout le monde et au meilleur. Je vous remercie, bon match. Donc c'est une très belle rencontre qui va opposer ce soir cette équipe de Chartres et le coach, avec les mots du coach qui viennent de confier que cette équipe va être très motivée pour venir mettre fin à cette série de 5 victoires consécutives de nos Chartrettes. Bonsoir Tony, à mes côtés pour commenter cette rencontre. Bonsoir. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de cette équipe de Nice qui est plutôt imprévisible, qui alterne entre le moins bon et le moins bon ? Qu'est-ce que tu en penses ? Imprévisible, certes, mais c'est un match à domicile, donc cette équipe de Chartres peut consolider sa position dans les 4 meilleures équipes de la division. Et puis surtout, tu l'as dit dans les commentaires, c'est le dernier match de l'année régulière 2023. Avant d'engager 2024 et ce beau spectacle avec un championnat très serré cette année, très serré. Ce serait un beau cadeau de Noël en avance, si on peut dire. C'est ça. Et d'ailleurs, les joueuses de Nice ont mis le rouge aujourd'hui. Donc la couleur de Noël, à Char de ne pas se laisser perturber par ces couleurs. On va parler un petit peu
des points forts de cette équipe de Nice, des joueuses dont on va devoir se méfier ce soir. On rappelle qu'elle a remporté l'année passée le trophée de la Coupe de France féminine avec justement cette ailière Léna Timéra qui a une moyenne de 15 points par match. Oui, c'est ça, c'est une des difficultés, c'est qu'il y a, bon, toutes les joueuses sont à marquer bien évidemment, mais il y en a trois particulièrement, dont Irena et Ekiofor, je ne suis pas sûr de la prononciation. Et puis une ancienne joueuse de l'agglomération qui n'a pas joué au club mais qui est du secteur, c'est Fatoumata Touré. Beaucoup de dangers avec ces trois joueuses. Et concernant le trophée qu'elles ont rencontré, c'était le trophée des joueuses de niveau inférieur à la LF2. Donc c'est pas la Coupe de France que Chartres a joué ici il y a 15 jours. Mais elles ont gagné, donc très bonne équipe. Une partie très très solide de la part des joueuses de Benoît Marty, on s'en souvient. Oui, le parcours de cette équipe de Chartres est aussi solide. Et puis ce soir, on a un autre recrue qui joue. Hein, c'est son premier match de l'année. C'est Uduka qui vient jouer et qui est arrivé en septembre et qui n'a pas encore joué un match. C'est son premier match officiel. On va voir ce que ça va donner ce soir. Je pense qu'elle a hâte d'enfin démarrer ce championnat. Oui. Et on fait un point aussi sur cette équipe Chartres qui aura une rotation plus importante justement que celle de Nice. Tu me disais que c'était peut-être quelque chose qui pouvait s'expliquer par le déplacement. Ouais, le déplacement, peut-être moins de joueuses aussi. D'ailleurs, ils sont venus à 9 joueuses, hein, c'est ce que tu m'indiquais. Pas sûr que toutes les joueuses jouent aussi. Plus le déplacement. Bon, il y a un petit peu de fatigue, même si je pense qu'elles ont dû venir en avion. Et sur Chartres, on a 10 joueuses. Hein. 10 joueuses opérationnelles, professionnelles. Donc ils vont avoir à cœur d'impacter cette équipe de Nice. Les compositions des deux équipes, on commence avec l'équipe concoctée par Benoît Marty, où on retrouve Sofia Elanga, la capitaine Élise Marié, Evma Autou, Rosane Le Seyek et Emma Pétour. Oui, je ne sais pas qui va rentrer d'abord, on va voir. Mais toutes les joueuses ont fait de très bons matchs, hein, à tour de rôle. Et ça va être la difficulté pour Nice de savoir sur qui défendre aussi, parce que à Chartres, tout le monde peut marquer et faire de gros cartons. D'ailleurs, je jetais un coup d'œil cette semaine sur le classement des joueuses de Chartres dans les différentes catégories. Elles ne sont pas dans les 10 premières, les Chartraines. Par contre, elles sont 4e du championnat. Donc ça veut dire qu'on a une équipe qui répartit très bien la marque, les rebonds, les passes décisives. Et ça, c'est le danger peut venir de partout. Oui, il faudrait gagner parce qu'avec la victoire de Mondeville qui on passe 5e même avant cette rencontre. C'est ça. Numéro 8, Mana Calvez. Numéro 10, Pauline Rossi. Numéro 11, Cornelia Fondrel. Et le classement, on voit cette équipe de Chartres qui est 4e. Ouais, et Nice qui est 10e, hein, qui a glissé progressivement. 4 victoires. 5 défaites et Chartres 6 victoires, 3 défaites, donc il y a très peu d'écart. On est encore dans la première partie du championnat et aucune équipe ne se détache ni dans un sens ni dans l'autre. Et c'est surtout que cette équipe niçoise a mis un peu de temps aussi à se lancer parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées suite à la montée, parce qu'on rappelle c'est un promu cette année en Ligue féminine. C'est Nice et Voiron, les deux promus qui jouent un bon championnat, et Benoît l'a dit tout à l'heure, cette équipe a battu Toulouse qui est aujourd'hui leader de sa division. Tout à fait à domicile d'ailleurs, l'une de ses seules victoires. Et maintenant, je vais demander à toute la rage à gauche de se lever. On se lève. Tout le monde debout. On se lève. Pour accueillir vos Blue Lights du CCBB. Et la compo
de notre équipe Chartres de rentrer sur le terrain. Les Blues qui vont être accompagnés des plus 7 et 9 du Séchard Basket Féminin. En commençant, Marcel, qui fait son premier match ici à la Jean Cochet. Julie, mon entrée numéro 1, Boujou Goka. C'est notre numéro 2. Voilà, le spectacle est prêt avec des joueuses et des joueurs jeunes du club qui sont présents aux côtés des deux équipes ce soir. À l'approche de Noël pour cette grande dernière. La fête devrait être très très belle ce soir. Avec des tribunes bien remplies. Car au-delà du sport, c'est aussi un spectacle, et le basket. Et les deux arbitres de la rencontre, Axel Louap et Christophe Rémy. Ultime seconde avec la balle en main avant que ce match débute. On sent beaucoup de concentration du côté de nos Chartrennes. Iverson, passe, UCLA, faut switcher. Et après, bah, on est intelligent.
passe bien sur chess 5, on switch juste pour avoir intérieur-intérieur. Ok. On attaque. Accompagnez bien les montées des meneuses. Ok. Pour bien soutenir, attaquer les ballons, qualité des passes, d'accord. Pour bien limiter les ballons perdus. Le premier, homme, long. Bon écran, d'accord. On traverse ici. Bien, bien à 45. Si c'est Ice, remonte un peu. Pose bien l'écran F de face. Ici, si on joue pocket, là ça descend. Bien joué un flare screen avec R. Et s'il n'y a rien, continuité. Ok, tu renverses, d'accord. Et comme elle est descendue, c'est toi qui vas jouer la continuité. Bon, traverse. Loup. Les derniers mots du coach, Benoît Martin. Avec le 5 de départ, donc le Seyek Peitour, Mahoutou, Elanga et Élise Marié. Et en face, Ekiofor, Kamas. Timira. Traoré. Fondrenne, Cornelia. Allez, dernier match de l'année 2023. Le coup d'envoi fixe qui va être donné pour la passe d'aussi ce soir. On rappelle que c'est depuis le 28 octobre que les Chartrons sont invaincus. C'est ça, il faut continuer cette série. Le coup d'envoi fictif est donné. Maintenant les choses sérieuses commencent. Le Seyek contre Ekiofor à l'entre-deux. Première balle pour cette équipe de Nice. Kamas. Et ça va faire deux points. Très bien, très bien, très belle passe. Il va falloir défendre sur ces joueuses qu'on connaît peu. Hein. Très peu de joueuses ont joué à ce niveau contre Chartres. À une ou deux exceptions près. Donc, il faut trouver ses marques aussi. Autour avec le 2 points. Pour l'instant, on est sur un 100%. Un shoot. De chaque côté, une réussite. Chartrand qui coulisse bien. On se souvient des mots de Benoît Parti juste avant le début de cette rencontre. Ouais, il y a déjà un petit combat dans la raquette entre la 22 et la 27 de Chartres. Et puis au fort de Seyek pour trouver la position. Et rebond offensif pour le Seyek. On va se marier à la baguette. Peitour. La Peitour qui s'en va. Ah, c'est dommage. Ouais, elle s'est auto-contrée là. Hein. Ouais. Son petit spécial. Oui. Une des joueuses les plus à droite à 3 points. Mais qui est aussi beaucoup à 3 points. Donc c'est tout bonus pour Chartres. Effectivement, je disais tout à l'heure que l'équipe de Chartres ne se distinguait pas dans toutes les catégories, mais à 3 points, on a des shooteuses. On a Emma Peitour et puis Debo qui est sur le banc actuellement. Donc, une très bonne réussite. Vous appliquez en ce début de rencontre. Les Chartren. Allez, Jean Cochet, pour la première fois de la soirée, je vais vous demander de me suivre, je veux toute la salle avec moi. Les bleus! Les bleus! Cinq secondes.
pour délivrer la passe. Dommage de perdre la balle sur ça. Allez, on se remet appliqué en défense comme depuis les premières minutes de cette rencontre. Le Chartrain. Ça s'est récupéré, très bien récupéré. Première interception. Oh là. Ah, airball, c'est court. Dommage. Ça touche l'arceau, mais il manquait 5-10 cm pour que ça rentre. À cette équipe de Nice qui arrive à provoquer et passer au dernier moment pour une dose démarquée, ça fait 2 points. Très bien, c'est l'espace en ce début de partie. Ouais. Et qui mène pour l'instant 6-5. Dommage, c'était un peu forcé ce shoot. Oui, Yves Marié qui a mis quelques paniers à 3 points la semaine dernière contre l'équipe de Strasbourg. Les Bleus. Là, l'équipe de Nice se détache un petit peu de panier, plutôt facile. Problème de défense pour Chartres en ce début de match, je trouve. On défend bien sur la joueuse, mais pas sur la première passe qui suit. Et profitent des espaces pour aller mettre leur panier, tout à fait. Et c'est bien fait ça, des Mapetou. C'est un peu la défense et Saloum des deux côtés là. Hein. Les portes du bar sont ouvertes comme là. La faute pour la. C'est surprenant. La partie nigérienne. C'est le même système à chaque fois. On voit ce shoot très bien amené, ce panier des Mapetou. Et derrière, ces grands espaces qui laissent la pilote nigérienne récupérer cette faute. Le Seyek qui sort, elle a déjà 2 fautes. Et Niaré qui rentre. Premier lancé réussi pour Régiofort. Et le 2 sur 2. 3 points d'écart. Bon, un match qui n'a pas encore trouvé son rythme. Notamment en défense, les joueuses n'arrivent pas à trouver les défenses qui vont gêner l'équipe adverse. C'est bien passé. Écharpe qui recolle. Baoutou, là, une des joueuses les plus adroites du championnat de France. Elles en abusent, hein. Elles trouvent très bien leur pivot, les niçoises. Baoutou qui doit être à près de 70% de réussite au shoot. C'est qu'avec Yeoffort, elle a des petits soucis avec ses lacets sur chaque lancer franc, mais en tout cas elle fait très mal dans la raquette. Hein. Elle provoque les fautes, je crois qu'elle est déjà à 6 points. Celui-ci ne passe pas. Et le deuxième non plus, tant mieux pour, les Chartres. Récupère le rebond. Oh, le 3 points. C'est vrai. Un peu surprenant ce shoot, mais il rentre. Les Bleus. Allez, on va pas les laisser faire un trop large différence. Et c'est Mapetou pour le 3 points. 2 sur 2 pour elle. Il va falloir défendre maintenant. Un rebond long. C'est bien battu. Oh, dommage. Ouais, un peu incompréhensible.
tête loupée toute seule sous le panneau. Marché, marché. Possession pour ça. Il y a les premiers pas du Boca. Ah, là, Jean Cochet, sous l'applaudissement du public. Ouais. Pour son premier match, ses nouvelles couleurs. Premier ballon. Nigérien. Eh oui. Super, premier ballon, premier point. Bienvenue à Chartres. Tout de suite, elle attaque. Elle attaque sa joueuse et elle la passe en vitesse. Allez, on tient. Là, ça permet à Chartres de repasser, devant. Le marché de changement, Marine Debeau et le grand, Clarisse Legrand qui rentre pour Emma Peytour et Sophie Elanga. Sophie Elanga, pardon. Donc Fatoumata Touré qui est rentré en face. Non. Bien défendu, Élise Marié. Oh, c'est précipité, ça. Dommage. Dommage. Ouais. Benoît, qu'on a conscience qu'il demande à ses joueuses de calmer un petit peu le jeu. Alors, on va voir cette défense entre les deux compatriotes, Ugoka et Eliofor. Cette passe manquée. Ouais. Nouvelle possession pour Chartres. Eve Mahoutou qui va sortir cette fois-ci. Et Niaré qui re-rentre. Ouais, Chartres qui grandit son équipe là, dessous, il y a du monde. Ouais, très bien défendu, les vieux forts. Et la faute de Niaré, mais c'est incompréhensible. Hein. Elle devrait regarder ses matchs, je pense, depuis le début de l'année. Ces fautes là, incompréhensible, je trouve. En tout cas, ça fait 4 fautes pour l'équipe de Chartres qui est maintenant dans la pénalité. Il reste 3 minutes 30, donc attention aux fautes. Belle défense de Niaré. Il récupère la balle. Capitaine qui s'en sort. Ça peut être très bien amené. Marine Debout à 3 points. Oui, le 3 points. Magnifique. Comme je le disais tout à l'heure, l'adresse de Peytour et de Debout peut aussi écarter les défenses. C'est de la Ruelle qui se prépare à rentrer. Bien fait. Dommage. 3 points. Pour Nice. Passe-moi. La faute, troisième faute d'équipe pour Nice. Il faut la trouver dans le jeu, hein, une nouvelle joueuse comme ça en cours d'année, même si elle fait tous les entraînements depuis quelques temps déjà. En tout cas très forte la 22 de Nice là. Elle sort. Elle se bat très bien, elle attaque, elle défend, donc elle a besoin de souffler aussi. Tout à fait. Elle est en moyenne à 11 rebonds par match. Meilleure rebondeuse défensive de la Ligue. C'est ça. Shoot est ouvert et c'est 3 points faciles pour Nice qui recolle à 16-17. Ouais. Essayer de provoquer la faute offensive. L'arbitre en a décidé autrement. En ne sifflant pas. De la Ruelle, c'est bien amené. Oh, dommage.
Elle prend son rebond et elle se fait contrer, mais la faute. On récupère un peu. Il n'y a rien au lancer franc. Deuxième faute pour la 27. À sa toute Traoré. Deuxième faute pour elle. Deuxième faute et changement à Nice avec l'entrée sur le parquet. International Madame qui conteste. Il comprend pas trop. Un peu désorienté après cette faute commise. Elle pensait sortir. Finalement, il y a eu le changement à Lille. Le premier loupé. Et c'est 1 sur 2. Passé Traoré, eh oui. Oh, c'est bien amené ça. Le Dragster, le premier pas, il peut passer n'importe qui. C'est court. Allez, possession niçoise pour tenter de recoller. C'est bien défendu, c'est Non. Pour prendre cette balle, c'est bizarre. Une incompréhension. On peut revoir le ralenti, mais je pense que Marina Debois a les deux pieds sur le terrain. Et au panier à 3 points. Oui. Un shoot un peu à la Desesperado. Emma Outou qui ressort intelligemment. Pour de la ruelle. Très bien donné. Oh, très bien fait. Ah, Eva Outou est en forme ce soir. Ouais. D'ailleurs, elle est toujours en forme, elle. Une des joueuses les plus régulières depuis ce début d'année. Dommage. Ouais. Problème défensif, on n'est pas encore assez attentif du côté des... Elle est encore très bien attaquée, elle arrive à faire sa place dans la raquette. La 22 rouge là. N'oublions pas, Chartres est la meilleure équipe en défense de ce championnat. Pour l'instant, on est parti sur un jeu d'attaque 20-19 au bout de 19 minutes. 3 points qui est loupé pour Nice. Il reste 13 secondes, dernière possession pour Chartres. Elle a l'occasion de bien finir ce premier carton. Elle est passée. C'est, tout. C'est bien fait, dommage. Ouais. C'est lancé, loupé. Elle était toute seule. Deux équipes, s'il vous plaît. Et après 10 minutes de jeu, ce sont les plus nice qui se devront au score d'un tout petit point. 3 à 19. Bon, sur ce premier carton, on sent un rythme qui n'est pas encore. Un match qui n'est pas encore bien lancé. Bah oui, c'est un faux rythme, je trouve. Ça accélère, ça met beaucoup de panier. Petit souci de défense des deux côtés. Et ça fait un plus 1 pour Chartres. Bon. Il faut prendre comme ça. Je pense que le CIEC va rentrer. Deuxième carton. Il y aura un flash, elle passe en zone. Okay. Donc quand on joue 1, il faut qu'on aille plus loin. Quand je dis plus loin, c'est sur 1 ici. Et on va crier en même temps, faire un maximum de bruit. Silva, envoie, c'est parti. On doit aller jusqu'au stagger. Ok, n'hésite pas. Sur ça,
La 4, lâchez poste haut, après ton slagger, sort. Ok, on regarde poste haut ici. Après l'écran, on flash. Soit au ballon, soit on s'écarte et on joue autour de ça, les filles. Hey, rejoins-moi. D'accord. Là-bas, faut passer devant les jeux forts là. Derrière, on doit être pas sur le passe-là, on doit la toucher. Que les filles, on est pas rentrés là-bas dans la raquette, comme ça. Ok. Dernier mot important, Bélena avec le Seyek. Sharp qui va tenter de laisser un petit peu moins d'espace en défense, être plus solide, plus bien coulissé. Remise en jeu pour Sharp. Et le Seyek a fait son retour à la place de Naon Niaré. Coup d'envoi du deuxième carton, let's go Blue Lights, les bleus. Oh, c'est très bien fait cette combinaison à deux, le petit flotteur. Et Maoutou qui reste sur sa série, je pense qu'elle n'a pas encore loupé de panier. Hein. 3 sur 3, 3 sur 3 pour elle. 4 sur 4 maintenant. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils vont siffler côté. Effectivement, elle ne faisait pas que de shoot. Première pause pour Eve. Possession Nice et Jean Cochet, on ne s'arrête pas, on continue ce soir tous ensemble. Défense. Très bien défendu. Le rebond, pas pour la plus grande. Récupéré par Delarguel. Oui. Le Seyek, ça rentre pas. Ouais, le Seyek il fait partie aussi des joueuses les plus adroites du championnat de France. Profite au-delà de prendre des rebonds, elle sait shooter. Hein. Elle profite pleinement de son 1m98. C'est ça. Bon, maintenant, il faut faire attention de ne pas prendre la troisième faute parce que la joueuse de Nice s'est provoquée, prendre la position. On va regarder ça tout de suite là. Voilà, ça y est. Récupéré, les Niçoises qui se combattent, elle était toute seule, la Nigérienne. Ouais, un jeu un peu décousu, mais finalement ça rentre et reviennent à un point de Sharp. Ouais, ils se profitent de la chute, de la chute de la 3, Camas, elle était toute seule, Clarisse Legrand. Qui elle aussi monte en régime depuis le début du championnat. Qui vient inscrire ses premiers points de la soirée. Ouais, faute offensive. Ah, elle a une énergie. Faute offensive, possession Blue Lights. Changement pour Blue Lights. Applaudissements pour la sortie de Elena. Pour la Marienne qui vient la mettre. Ouais, il y a faute. Ouais, c'est clair. Au sol. C'est la première faute. Les bleus. Un peu de Seyek qui s'essaie, là le champ vert. Oh, ça rentre et ça ressort, hein, dommage. Elle va avoir une nouvelle chance, remise en jeu pour Chartres. Qui perd cette balle
Nice qui en profite. Ouais. Inarrêtable. Fatoumata. Des petits soucis d'appui. En tout cas, le match demeure toujours aussi serré. Un point d'écart entre les deux équipes. Ouais. Très bien fait de la part des Lingas. Cette belle extension. Petit geste, elle passe sous le panier. Elle passe sous le panier. Petit effet dans le ballon et puis ça revient. Il reste une seconde à cette équipe de Nice pour enclencher le tir. Ça va être compliqué. Temps mort. Et temps mort demandé du côté de Nice. Allez, Jean Gauchard ne va pas s'arrêter ce soir. Je vais avoir besoin de tout le monde. Les Nice, voilà. On va avoir besoin de tout le monde. Je vais avoir besoin que vous preniez votre main gauche, s'il vous plaît. Ok, we go, et vous faites au plastic line, là, ça. La touche, elle est au fond. C'est parti, tout le monde, passe. Et bien bas. Et Nice, la tour, ok. Encore. Tout le monde. La tour, pardon. Go, ok, laisse. Ok, je on va voir comment on peut mettre un panier en une seconde. Donc autant dire que la première passe va être décisive. Dommage, bien tenté. Et ça part, possession pour Chartres. On en profite pour remercier le coach de Nice, qui nous permet de suivre ses prises de parole et qui a d'ailleurs accepté deux petits mots avant cette rencontre. Marché. Marché, possession, Blue Light. Quelques erreurs des deux équipes, une mauvaise passe d'un côté, un marché de l'autre. Ça s'annule, mais ça ne fait pas avancer le score. Hein. 26-33. Premier quart-temps était plutôt offensif, mais là, les équipes ont du mal à scorer. Ça pousse. Dommage. Oh, c'est une belle passe. Passe décisive. Il ne se fait pas prier. Je ne suis pas sûr que c'était voulu, mais je ne sais même pas si elle sera comptée comme passe décisive, mais je pense. C'est Char qui fait le plus 5. La faute des hangars. Petite torsion de la cheville. Photo Goulax de la numéro 6, Sofia Elenga. Première faute pour Sofia. Ouais, c'est léger la faute. Et 1 sur 2. Et la faute de la 22, deuxième faute d'équipe. Ouais. Très agressive, des fois ça marche, mais là un peu trop. Ça profite à Chartres. Et Traoré revient sur le terrain. Et cette équipe de Nice qui joue qui a 7 joueuses en fait, hein. Les deux ont remis leur chasuble et ne rentrent pas encore dans les rotations. Pas rentrer dans les rotations d'ailleurs.
Les bleus, tout le monde. Les bleus. Marcher, souffler contre les Blue Lights, la possession Nice. Le capitaine qui est sanctionné pour un marché. On n'est visiblement pas d'accord. Ouais. Cette fois-ci, il y a faute. C'est étonnant parce que cette équipe niçoise qui est quand même très bonne dans les, je trouve, dans les phases défensives où ça coulisse bien au niveau pour récupérer rapidement le ballon. Et là, je vais donner un petit coup de main sur les remontées de balle à Élise Marié. Elles ont compris qu'elles pouvaient en essayer d'en abuser. Bon, là, elles commettent la faute, mais elles ont récupéré plusieurs ballons qui a amené à des points après. Elles vont continuer comme ça toute la rencontre. En tout cas, Udoka est revenu sur le terrain. Deuxième rentrée du match pour elle. Elle peut y aller. C'est bien fait, excellent. Je ne sais pas si vous avez vu, mais avant ce panier de la Nigérienne, ils ont eu un petit échange sympa avec Outou qui lui conseillait au niveau de ses déplacements et on voit que ça fonctionne bien. Ouais. Traoré, deux points sur elle. Le match est toujours aussi serré. Hein. Ouais. Oh, magnifique, deux points. Okay. Défense ! 3 points qui est tenté. Bon. La contre-attaque lancée aussitôt. Et la faute pour l'américaine. La quatrième faute d'équipe pour Nice. Et un temps mort demandé par l'équipe de Chartres. Thomas, demandé du côté niçois. Ah non, Nice. Alors Jean Cochet, on va continuer ce soir, on ne va pas s'arrêter. Louli, t'es prêt ou pas Louli? On y va ensemble. Le match est bien aussi vite, je m'en fous, c'est pas organisé, mais il travaille depuis longtemps. Il travaille depuis longtemps. On subit parce qu'on est arrêté, au centre du terrain, au pensement. On n'a pas hier, on voulait jouer des choses dans l'habitude. Mise en jeu pour Chartres. Marie. Ouais. On pas le shoot à 3 points, c'est bien donné finalement. Un peu dans les pattes. Ouais, elle arrive à. La balle était mal partie, hein. elle la prend dans les pieds, elle se relève et ça fait 6 points pour elle déjà, 3 paniers. De bons débuts. Oui, c'est le maillot des Blue Lights. Les joueurs n'ont pas de solution. Le temps qui passe. 4 secondes. Ouh, le 3 points. Ouais, ça fait deux fois là, en fin de possession. Une petite pression en plus. Je pense qu'elle n'aurait pas pu prendre les coups. Les bleus. Très bien réalisé. Ouais. Belle adresse.
Et Manu Tagotac. Le 3 points, Kirmi Chart, 100%, 100% à 3 points pour elle. Pay Tour, toujours impressionnante. Si on est bon à l'extérieur et bon à l'intérieur, ça va être compliqué pour Nice. Hein. Et petit à petit, il y a un petit écart qui s'est fait là. Ouais. Le panier à 0 seconde. Ils sont un peu cliniques ouais, dans ces 3-4 dernières secondes et ils arrivent sous pression à marquer des points. Oui, c'est ça. C'est le jeu de. Il y a Emma qui demandait le ballon qui était tout seul, qui a le champ ouvert. Ouais, la faute. Et ça va être deux lancers francs pour Udoka. C'est bien, bien obtenu, Udoka, c'est bien battu. Pardon. Elle était un peu coincée et elle arrive à prendre ses deux lancers francs. En tout cas, ça fait trois fautes d'équipe pour Traoré. Le retour de Le Grand sur le parquet. Deux lancers à suivre pour Ouchou Udoka. Mire loupé, technique un peu particulière du Goka. Et 1 sur 2. 38-31, plus 7. Aikio Fort a fait tomber tout le monde. Hein. Une présence athlétique. Il y a de l'espace pour Le Grand, bien servi. Ah, oh, dommage. Et oui, il sera attrapé, c'est deux points. Contre-attaque, c'est bien fort. Conclu. C'est fort, tout le monde. C'est fort. Si Chart pouvait être inspiré de faire la différence dans la fin de ce carton. On va reprendre avec un petit matelas d'avance. Pour Sofia Elanga, la contre-attaque aussitôt. Non, Elise n'a pas pu servir. Ah, dommage, perdu par Emma, récupéré par Le Grand finalement. 24 secondes. Les Bleus! Pour elle, ah, elle fait du bien. Oh là. Il a failli y avoir une interception, les filles n'ont pas vu cette mauvaise passe. Et le rebond pour Elanga. Benoît Marty qui demande à sa capitaine de calmer un petit peu. Parce que avec la précipitation, tout à l'heure, on a vu qu'elle perdait un peu ses balles. Ouais, 55 secondes de la mi-temps. Non. Premier échec pour Élise Marié. Enfin, pour Emma Pétour plutôt. Et Élise Marié qui remet dedans à 2 points. Et le plus 13 pour Char. Marché. Elle est en train de remporter son duel contre sa compatriote, Hugo K. Et Benoît Marty qui demande à 32 secondes de la mi-temps, un temps mort. On parlera tout à l'heure, je vous rappelle également que la tournoi a participé à la tournoi organisée tout en parlant de la famille. On fait ça justement. You are five. On the ball. You are five. Avec chocolat, avec ce régal, visiblement. Et des plus 11 minutes du côté. Tu sors. Côté Sofia. You wait for me. Okay. Not to set free. Ok. Toujours. Derrière. Sofia. Sors. Sors à 3 points.
Il reste 32 secondes. Le ballon dans les mains des Blue Lights. Jean-Rochet avec moi. Vous sentez une seconde des deux dernières attaques du match. Encore deux points. Impressionnant, il faut faire la faute là, c'est ce que demande. C'est ce que demande. C'est ce que demande Benoît, une faute pour ralentir le jeu, mais il n'y aura pas besoin. Et c'est fait, c'est bien appliqué la consigne. Ouais, par le troisième grand. Faute. Et encore une faute à donner. Toujours pour ralentir. Benoît Marty qui continue à demander à ses joueuses de faire des fautes justement. Essayer de ne pas prendre ce dernier panier. Et ça marche. Et le rebond pour Ogoka. Un petit écart, 15 points quand même. Mine de rien, l'écart a gonflé sur le deuxième carton. Ça fait pas mal, mais il faudrait quand même se méfier de cette équipe niçoise qui marche beaucoup à réaction, qui a fait ça contre le leader par exemple. C'est ça, à contrôler, mais en tout cas une très belle rentrée de notre nouvelle joueuse, enfin une nouvelle joueuse pour ce premier match de l'année, Ugoka, hein, qui a dû passer la dizaine de points et qui fait son match. Elle est à 11 belle points, tout à fait. Ouais. On va faire une petite pause, à tout de suite. Je suis le président de l'aéroclub Chartres Métropole. J'ai 37 ans et aujourd'hui je suis pilote de ligne. Je travaille chez Air France, je vole pour la compagnie Transavia et puis d'ici quelques mois je rebasculerai chez Air France. Et c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Et quand je vais travailler, je ne dis pas je vais travailler, je dis je vais voler. Il faut s'accrocher parce que c'est très très dur de trouver du travail entre guillemets stable. Hein. On peut trouver des petits boulots et tout ça. Il m'a fallu une bonne dizaine d'années avant de travailler chez Air France. Donc c'était 10 années compliquées avec des hauts, des bas, des galères, des petits boulots. Et les pilotes dans les compagnies, ils sont entre guillemets affectés sur un type d'avion. Donc moi, ma première compagnie dans laquelle j'ai travaillé, c'était Aigle Azur. Et je faisais de l'Airbus A320. Donc en fait, on passe la qualification sur l'avion en question. Donc il faut déjà être pilote professionnel, avoir toutes ces licences à jour. Et puis en plus, on va passer une qualification sur un avion, ce qu'on appelle une qualification de type, une QT, à chaque fois qu'on change d'avion. Des bons souvenirs en tant que pilote de ligne, il y en a tous les jours parce que notre bureau est assez chouette parce qu'il y a des paysages et puis des vues incroyables tous les jours sur chaque vol. C'est assez magique. Voilà, d'une manière globale, ouais, des super souvenirs, j'en ai quotidiennement. Quoi. 100. 50. 40. 30. 20. 10. J'ai toujours aimé les avions et puis tout ce qui vole, c'est notamment
en faisant des tours d'avion comme ça avec mon père que bah, le goût pour l'aviation m'est venu. Puis après, j'ai beaucoup traîné et beaucoup passé de temps à l'aéroclub. Très petit déjà. J'ai commencé à apprendre à piloter à l'aéroclub, donc à 13 ans. Pour faire son premier vol solo, il faut avoir 15 ans. J'étais prêt à voler en solo avant 15 ans, mais c'est l'âge qui me bloquait. On avait planifié le premier lâcher, le premier vol solo. C'est André Gallet qui est aujourd'hui décédé et c'était mon instructeur. Un instructeur historique de l'aéroclub. C'est lui qui s'est occupé de me lâcher et de me faire mon premier vol solo le jour de mes 15 ans, le jour de mon anniversaire. On entend les quelques gouttes là sur le toit du hangar. Donc je vais me dépêcher, je vais aller faire le plein d'essence. Et puis après je pense qu'on va attendre que l'orage passe. Parce que à mon avis quand il va arriver, le gros paquet rouge là, c'est pas beau. Donc voilà, et ça nous arrive dessus. La voltige, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps parce que j'ai fait mes premiers vols dans l'école qu'avait Catherine Monory ici à Chartres et j'ai commencé en 2003. Après, c'était le niveau espoir. Et puis après, j'avais plus trop de sous pour continuer à voler, donc j'ai arrêté. Et en 2015, j'ai voulu reprendre la compétition. Malheureusement, la voltige, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors peut-être que j'aurai la dispo pour reprendre un jour. Et ben voilà, allons-y. Je vais aller voler sur un Boeing Stearman, qui est un avion d'entraînement qui était utilisé pour former les pilotes, un avion des années 40-50. Là, je vais avoir Fred avec moi. Donc Fred, c'est le propriétaire de l'avion. Et donc, j'en profite aussi pour apprendre un petit peu l'avion en main pour le meeting du 24 septembre. C'est assez sommaire comme équipement. Il y a des instruments basiques, donc ici il y a un compas magnétique qui permet de savoir à quel cap on se trouve. Ici un altimètre, ici c'est l'instrument qui sert à avoir l'information de vitesse. Ici c'est un variomètre pour avoir les variations de la vitesse verticale, que ce soit en montée ou en descente. Ici c'est pour la pression d'admission et puis ensuite ça, ce petit instrument là, c'est les instruments moteurs qui sont ici. Et après, en fait, c'est très très basique. Il y a juste un démarreur, une radio, et c'est très très simple. C'est bien plus simple que les avions de maintenant. Quand je suis arrivé en tant que président, là, en juin 2021, il y avait à peu près 2000 heures de vol et 160 membres à peu près. Et là, fin 2022, on était à 2600 heures de vol et 200 membres. Mon ambition, c'est de continuer à développer le club, proposer des nouvelles choses, d'investir sur des nouveaux avions et puis d'attirer de plus en plus de jeunes.
De retour pour cette seconde mi-temps, Chartres qui a fait la différence, qui mène de 15 points. Il y a une joueuse qui a crevé l'écran, hauteur de 11 points, un 5 sur 6 à 2 points, lancé franc 1 sur 2. C'est la Nigériane qui joue ce soir son premier match à la Jean Cochet, Oujou Ugoka. Tony, qu'est-ce que tu en penses de ces premières mi-temps? Très belle entrée, puis au rapport du nombre de minutes qu'elle a joué, c'est une très belle entrée. 11 points pour elle, 11 points pour Pétour aussi. Il faut continuer comme ça et ça laisse présager de belles choses pour le début d'année prochaine. Si, c'est qu'une reprise, un match de reprise, donc qu'elle trouve ses marques aussi rapidement, c'est très encourageant. On l'a vu bien se déplacer, faire la différence avec son corps comme il fallait, et puis la réussite derrière. Oui. Et la meilleure rebondeuse de son équipe déjà. Les stats d'ailleurs sont impressionnantes, puisque 21 rebonds pour l'équipe de Chartres contre 10 pour Nice. Donc l'écart, il est là. Les passes décisives aussi, l'équipe de Chartres qui fait un peu la différence. Et de l'autre côté, il y a la Niçoise, qui est ancienne chartraine, Assetou Traoré, qui joue un peu plus de 11 minutes, qui a 3 sur 4. Qu'est-ce que tu en penses pour son retour sur le parquet à Jean Gaucher? Elle met ses points, mais elle a 3 fautes. Elle est déjà impactée, donc elle a très peu joué sur le deuxième quart-temps. Ça permet d'équilibrer. Moi, celle qui m'impressionne, c'est surtout les Jofort, parce que une présence dans la raquette impressionnante. Meilleure marqueuse, meilleure rebondeuse, tu l'as dit tout à l'heure. Par contre, elle a bien été cadenassée sur le deuxième quart-temps. Et ça explique d'ailleurs l'écart de 15 points qui a grimpé d'un coup. Voilà. Il faut s'attendre à une équipe de Nice qui va prendre beaucoup de risques, d'après toi, sur ce second mi-temps. Ils vont essayer de recoller rapidement. Après, il faut avoir les joueuses pour ça. Et en face, ça défend très bien. Donc l'équation est compliquée pour cette équipe de Nice. Timera aussi qui joue par intervalle, qui a mis deux paniers à trois points sans aucune préparation. Là, est-ce qu'elle va pouvoir revenir, mettre ses points pour revenir dans le match? Donc là, quand on joue le side, c'est elle qui pose le premier, c'est Rosa le deuxième. On attend bien l'écran, les filles ne partent pas trop tôt ici. Là, pareil, on attend qu'elle vienne. Là, d'accord, remonte bien Eve ici. Dès qu'on a lâché la balle, on s'en va ici. D'accord, c'est toi Sophia ça. D'accord, t'as utilisé le premier. S'il n'y a rien, on touche Eve ici. Coupé, on regarde ce qui se passe sur la coupe, on fait ça dans le bon timing. D'accord, elles peuvent être à la ramasse là-dessus parce qu'elles switchent souvent. Elles switchent souvent. Donc s'il y a un mismatch, tu te poses et on joue autour de ça. Sinon, t'enchaînes, pique, maintiens bien l'écran, on va pouvoir te trouver au-dessus ou finir au cercle. Ok, on va là-dessus. Allez, Jean Cochet, on est parti pour la deuxième mi-temps. Je veux au moins le double d'énergie qu'on avait en première mi-temps pour cette deuxième, et ça commence dès maintenant. Tout le monde. Tout le monde. Tap, tap, tap. Plus fort, plus fort, plus fort. On s'arrête pas tout le monde. Encore. Remise en jeu pour l'équipe de Nice. Et c'est la reprise de cette deuxième mi-temps, possession pour Nice. Fatou Mata. Récupère un peu par chance. Oui. Elle est sortie du terrain et la balle va être redonnée à l'équipe de Chartres. Camas. Élise Marié pour la première possession de cette seconde mi-temps pour ces Chartres.
Ouais, elle perd en direct. Mais oui, cette balle, la récupérée, énorme. Ouais, le beau contre. Et là aussi, il y a un petit quelque chose là quand même. Mais l'arbitre qui préfère laisser jouer, c'est surprenant. Première différence. Maoto qui vient se faire plaisir sur son côté. Oh la spéciale, incroyable Maoto, le plus 2. Il est compliqué, elle le met. Toujours à 100% pour elle. Nous en a fait 10 points, hein, beaucoup de joueuses. Ça fait 3 joueuses à 10 points quand même à Chartres. Ce que je disais tout à l'heure, la marque est très bien répartie. Et le marché, le nouveau marché. Attention au Nice Angels, parce que s'il commence très mal cette seconde mi-temps, il n'y aura plus grand chose à espérer pour ce soir. C'est une équipe qui a su remonter 19 points contre Toulouse, donc je serai moins catégorique, mais en tout cas c'est sûr que c'est mal parti pour Nice. Hein. Plus 17, possession pour Chartres. Allez tous ensemble, Jean-Cochet, c'est parti. Attention. Les bleus. Ah, il faut donner un coup de main à Elise Marié parce que Fatoumata Touré, c'est une peste à défendre sur Elise Marié. Il faut arriver à s'en décrocher. Hein. C'est tenté pour le 3 points et ça rentre pas. Ouais. Dommage. Et la balle est rendue pour Elenga. Dès le début, on voit des joueuses de Chartres qui veulent continuer sur la domination qu'elles ont montrée un petit peu en fin de deuxième quart-temps. Donc elles sont bien rentrées dans cette seconde période. Alors, Fatoumata Touré, toujours à la main. Voilà, le contre. Il n'y avait pas eu de contre dans ce match, il y en a eu deux là, entre Elise Marié et puis Sofia Elanga. Ah dommage, avec le Seig, elles ne sont pas compris, mais c'est récupéré pour Elise Marié. Le 3 points, dommage, ça passe pas, mais c'est encore récupéré une nouvelle fois pour Chartres. Ouais. Qui montre beaucoup d'agressivité. Rebond offensif pour Maoutou, elle est partout là. Hein. Le Seyek. Ah, alors que la Nigérienne, Denis Alanjet qui reste au sol. Pas ce qui s'est passé, je crois que c'est sur le bloc d'Elise Marié. Je crois. Ah, elles sont pas dans la même taille, Elise Marié et elle. Et tu te prends le bloc juste sous les côtes, là, ça fait mal. Hein. Je sais pas si on peut voir un ralenti. Et Traoré qui va la remplacer peut-être sur blessure, on sera attentif à son cas. Si je crois que ça lui a coupé la respiration. Facilement ce ballon. Denis qui n'a pas remis de points. Un petit quelque chose. De l'autre côté, on retrouve le grand. Ouais, tombe ça au sol. Oh. Troisième faute pour le Seyek. Impressionnant. Alors, est-ce qu'elle reste sur le terrain? C'est la question. Derrière, on a Niari qui a déjà deux fautes aussi. Bon, une de moins, mais... Oh, mais Niari, elle peut faire très vite, ses 5 fautes. C'est bien de laisser le Seyek. Benoît a peut-être pas vu la troisième, d'ailleurs. Il est en échange avec Marie-Julie Levent. Et bien sûr, deux pour Fondren. Premier point pour l'équipe de Nice dans cette deuxième mi-temps. Maoutou, c'est bien donné ça pour Elenga, magnifique. Ouais, belle passe décisive de Maoutou. Et ça fait 20 points d'écart. 20 points.
ce stade-là, ce serait un exploit sinistronné dans la partie et même à gagner ce match. Pour l'instant, l'équipe de Chartres est dans le contrôle, là, mais un match de basket, c'est jamais gagné. 3 points qui est loupé pour Nice. Ouais. Encore la possession. De rebond. Et offensif. C'est bien piqué ça par Marié. La capitaine. Ouais. Qui t'impose un tout petit peu. Et Langa. C'est donné Langa. Et récupère. Et deux à shooter. Dans ses francs. Je crois qu'il va y avoir. Un changement ou un temps mort pour l'équipe de Nice. Un temps mort. Ouais, ils sont en train de lâcher les niçoises là. La salade ne prend pas ce soir. De et Chartres qui en profite, qui continue, qui appuie un peu et qui se retrouve avec une plus grosse différence. C'est un beau visage qu'affiche ces Chartraines en début de deuxième période. Oui, on l'a dit, il y a du spectacle, c'est bien pour ce match de Noël, ou presque en tout cas. L'engagement dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met. Et là, sur les vitesses. Continuez à jouer sur les hand 4. Mais enchaînez, donnez pas la balle là, donnez là où on fait venir. Là, on annonce main de la soie. C'est main. Et là, t'es là, à 7. Et là, t'es pas pour venir poser l'écran. 2 heures, on n'y est pas. Ok. Jouez, short play, long play. Squeeze. Michael Hoff, le coach niçois, qu'on a conscience que ces joueuses ne sont pas du tout rentrées dans cette deuxième période. On n'y est pas. Il va falloir montrer un autre visage et appliquer les consignes comme il a tenu à le souligner. Et Lenga pour deux lancers francs. Ugoka fait son retour ainsi que Niaré. Sur deux, c'est bien fait. Plus 1, Chartres 53, Nice 32. Donc, il reste bloqué à un point sur le troisième carton. Touré qui s'infiltre. C'est court. Pofondren qui n'arrive pas à mettre 3 points. Nice qui a à nouveau la possession. Alors la faute est pour qui? Pour Sofia Yanga. Sa deuxième faute. Et deux lancers francs pour la grande Eliofor. C'est converti. Les bleus. Pas seulement un lancer franc et elle est à 9 points dans cette rencontre. Oui, ça marque peu. En tout cas, oh le trou. Il y a un petit souci de défense là. Debo qui s'est fait plaisir. Tout droit. Ça change de 3 points là. C'est le point de lay-up qui va bien. Oh, c'est bien défendu. Le compte de Niaré, belle action. Bon, elle repart la balle aussitôt, dommage. À nouveau une bataille. Ouais. Récupérée encore pour les Niçoises. Elle se montre peu agile devant le panier. Je dis ça pour qu'elle mette. Ouais. Fatoumata Touré qui avance toujours avec son premier pas dévastateur. Elle contourne Niaré sans problème. Du coup, à la même vitesse, ces deux joueuses. Ouais, Debo pour Ugoka. Dommage, ça rentre pas.
C'est récupéré à nouveau. Dommage, balle perdue sans avoir shooté. C'est un peu compliqué cette attaque. Oh, le trou, la passe laser. Ah, ça ouais. Rentre pas pour Nice. Là, il y a un 3. On y est. Oh, le 3 points de Debo. Ça fait du bien, elle régale. Chart qui continue à faire le spectacle pour cette dernière de 2023. Ça fait 8 points pour elle, il y a 3 points ou à 2, j'ai pas vu. Eh oui. C'est bien, joli 3 points qu'elle vient de nous mettre. Et elle va sortir. Marine Lebeau. Centré de Legrand. Elle explique. Et ma Bétour. Et là, c'est sa deuxième faute. Première faute à Élise Marié. Donc elle, pas de problème. Allez, Jean Cochet, tous ensemble. Tous ensemble. Défense. Elle était toute seule, c'est bien trouvé, ça rentre pour Traoré. Le système était bien, bien posé, bien réalisé, puis l'adresse est là. En tout cas, ça permet à Nice de mettre un autre panier. C'est son 7e point sur le 3e carton. Oh, ça a failli rentrer, coup du sort. Et temps mort pour les Bleus. Temps mort demandé en tout cas. Oh, cette passe qui sort, récupérée pour Chartres. Passe pour l'arbitre, très jolie passe. Jean Cochet, temps mort donc demandé par Benoît Marty, on ne va pas s'arrêter. Louli, où es-tu? Louli, où es-tu? On va taper dans les mains tous ensemble, c'est parti les enfants, les adultes, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Et on peut chanter, ça fait comme ça. De la ruelle à la baguette. Boca qui cherche une solution, c'est perdu, dommage. Ouais, elle aurait pu y aller. Elle cherchait, elle n'a pas trouvé. Elle a posé et s'en profite à Nice pour Touré qui score et qui réduit la marge. Équipe de charge qui joue un peu concentré là. Qui a du mal à trouver. Il reste 9 secondes. Boca. C'est court. Dommage. Récupéré, une belle intensité. Pour Mbappé Tour qui rentre. Ouais. Qui rentre, qui ressort, qui rentre. Incroyable. Ouais. Meilleure marqueuse du match. Et touche en gaucher avec moi. L'équipe de Nice qui a toujours autant de mal à venir dans la raquette de Chartres. On sent que physiquement, ça commence à être un peu plus difficile. Quatrième faute pour Chartres. M. Maoutou qui rentre. Udoka qui ressort. Tout le monde, c'est France. Attention sur la remise en jeu tout à l'heure, il y a eu un shoot.
c'est bien gagné. Ouais. Deuxième faute pour Clarisse, deux lancers à suivre pour Nice. Deux lancers francs. Ouais, 19 points d'écart toujours. Ouais, le match qui est dans un temps un peu faible. Deuxième qui rentre. 1 sur 2. Changement demandé à Nice avec le retour sur le parquet. Traoré qui sort. Et qui a toujours ses trois fautes. Il n'en a pas pris. On va dire Nice, une seule faute. En troisième quart-temps, ça dénote aussi que c'est compliqué pour elle de défendre sur l'équipe de Chartres. Le grand qui retrouve le tour. Le tour à nouveau pour le grand. Non. Ah non, ça passe pas. Dommage, ce 3 points. Petit brick. C'était intéressant comme combinaison. Un jeu à deux. Ouais. Ah, il provoque énormément de fautes Nice en tout cas. Notamment la 11. Fondren, ouais, c'est payant pour l'instant. Sur deux, comme il y a quelques minutes. Les Bleus! Les Bleus! De la Ruelle qui ramène cette balle. Qui place son équipe. Il reste 2 minutes dans le troisième carton. Occasion de maintenir cette équipe au-delà des 15 points. 5 secondes. C'était bien. Ça partait bien, mais ça rentre pas pour Elena. Et deux à shooter, à qui la faute? À qui la faute? Troisième faute pour Ognaré, très productive ce soir. Et le Seyek qui la remplace, qui elle aussi, à trois fautes au compteur. En tout cas, la machine à faute, là, ça tombe. Hein. Jeu fort, plus 1. Et on continue sur 1 sur 2 pour Nice. Attention, cette balle bien récupérée à la limite. Nouvelle possession niçoise. Rebond offensif qui a été repris. 6 secondes, 5, on va shooter. On est à 3, un peu libéré. Le jour, ça rentre pas le Seyek pour ramener. Elena qui avait le champ libre. Le Seyek qui était toute seule, qui n'a pas osé shooter. Et Mapetour pour le Seyek à nouveau. Facile, ça rentre. Finalement. Ouais. Il a failli ressortir, mais il a décidé de rester. Cadeau de Noël. Moins d'une minute en ce troisième carton. Le marché, beaucoup de marché pour l'équipe de Nice. Ça va être le cinquième depuis le début du match. Deuxième faute. Caméra qui rentre pour Fondren, qui est très énervé de sa prestation de sortir. Frustré, la joueuse niçoise. Il
la faute de la 22. Sa troisième faute aussi. Hein. C'est très bien obtenu par le Seyek. Ouais, le Seyek a réussi à la contourner. Petit déplacement latéral de la 22 et ça fait faute. On y va ensemble. Les bleus. Ah. Les bleus. Une joueuse nouvelle qui va rentrer pour, pour Nice, la 8. Et une technique pour la 22. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est la 3. Calvez qui rentre pour disputer ses prend la faute. Mire minute. Surprenant. Je pense que le coach niçois a compris. Il fallait peut-être donner un peu d'expérience à ces jeunes. Et que le match était bien mal embarqué. Les bleus. Les bleus. Trouver Léna qui s'infiltre et c'est bien fait pour Maoutou. Ça va être pas décisif de Pétour pour Maoutou qui est toujours à 100%. Elle, hein, fait son match. Elle nous régale ce soir, tout à fait. Ouais. C'est fulgurance tout au long du match. Oh, le 3 points pour Nice et Camas. Il reste 6 secondes. Ah, la prise de risque, c'est dommage. 2, 1. Et ça ne rentre pas pour Nice. 65-47 à la fin de ce troisième quart-temps. Chartres qui assure la victoire pour l'instant. Ouais, 18 points d'écart. Allumez vos flashs de téléphone et on va faire un truc plutôt sympa. Tout le monde, il y a des téléphones pas allumés en tribune. Je veux voir tous les flashs allumés. Tout le monde, allumez vos flashs s'il vous plaît. Tout le monde, allez, on allume les flashs. Chaque défense, ok. Défense après défense. Tout le monde, la passe. Elle reste en dessous de la champ, ok. Donc derrière, soyez disponibles les autres. Les autres extérieurs, dispo pour faire une passe, deux passes. Là, on aura les choses. On fait un deuxième plus loin et après. Plus vite. Je vais demander bientôt de faire un maximum de bruit, Jean Cochet. 3, 2, 1, du bruit tout le monde. Assurer cette dernière victoire en 2023 pour les joueuses de Benoît Marty. Et la faute de Traoré, sa quatrième faute, aussitôt changement, Sandrine qui revient. Mais la faute y est, hein, et elle pousse dans le dos, pas de problème, bien arbitré. Passé Mapetour. Le festival des Mapetour. Dribble main gauche, finition main droite.
comme toute bonne joueuse de 3 contre 3. La faute pour De La Ruelle. Ah. Bel côté. Remise en jeu pour les Niçoises. Touré qui va de son panier toute seule. Ouais. C'est bien fait. Elle est dans son match. Bon, un petit peu esselée, je trouve, par rapport à ses collègues, mais elle fait son match. Mais on l'a vu juste avant de prendre son shoot, elle demandait un peu plus de mouvement. Elle y allait un peu toute seule et ça a payé. Le Seyek est sanctionné. Fatoumata Touré qui a son numéro qui correspond à son département de naissance. Le 28. Élise Marie va faire son retour. Et Nice s'approche des 50 points. C'est super bien amené pour Timéra. 16 points. L'équipe de Nice qui tente un petit rapproché là. Là c'est réussi. Allez, pour Mapetour qui prend ses responsabilités finalement. Ça ne rentre pas, dommage. Rebond pour Camas. Allez, Touré à nouveau à la baguette pour Nice pour mener cette nouvelle offensive. Pour Fondrenne. Et Solé Timéra, ça rentre pas à 3 points. Mais c'est à nouveau récupéré par la Nigérienne. Ah oui, beaucoup de rebonds offensifs là pour les Niçoises. Qui ont un déficit, mais elles s'en sortent très bien. Très bien. Il s'est faufilé dans l'espace, Timéra. Ça paye. Ouais. Ah, il y a peut-être un peu faute là quand même. Non, c'est court. Dommage, mais c'est récupéré à nouveau. De La Ruelle qui pose le système. Le grand qui est tout seul à droite. Des tours qui prend ses responsabilités. Ah, dommage. Et le rebond. De 3 points. Il ne prend pas. Ah, le rebond pour Maoutou qui remet dedans aussitôt. Et ça fait 2 points. Et le lancer franc à suivre. Bon. Le lancer franc est pas sa spécialité, mais elle peut maintenir les 100% ce soir en mettant le panier. Et oui, comme tu l'avais prédit, ça ne rentre pas et les 100% sont à oublier ce soir pour Maoutou. Au lancer franc, après au panier. Oh, le contre. Ouais, quatrième foot. Ugoka qui fait son retour. Applaudissements pour la sortie, s'il vous plaît, de Rosane Seyek. Le Seyek qui sort. Ugoka qui rentre à nouveau sur le parquet. Tu me disais en off qu'il y aurait peut-être une très bonne nouvelle pour le Seychart. Oui, parce que les leaders pour l'instant sont un peu bousculés, donc on verra à la fin du match si ça se confirme. Richard pourrait revenir sur le podium avec une victoire ce soir. Ça ferait de bonnes nouvelles. La série qui se poursuit. C'est cadeau de Noël en tout cas, mais rien n'est joué et un 15-1, ça peut revenir très vite. Hein. Allez, mappé tour. Pour allez, sa capitaine toute seule Maoutou. Mapetour qui n'a pas pris de shoot qui rentre. Ah dommage, c'est perdu, un peu compliqué. Oh, la glissé. Est-ce que ça a tourné? Il se relève rapidement. Fondrenne plus sûr que de mal et il doit y avoir un peu d'humidité dans la raquette.
capitaine qui s'assure que ça ne glisse pas trop pour poursuivre le jeu. Et c'est parti, possession Chartraine avec la capitaine. Toute seule. Non, c'est court. Elle peut chance. Ah, c'est récupéré pour Nice. Ouais, c'est compliqué de défendre là. Ouais, elle shoot à 3 points. Elles essayent de revenir, les filles Nice. Il y a peut-être mieux à jouer pour mettre un panier. Non. Le petit flotteur. Ouais. Chart qui joue peut-être un peu trop vite ses possessions. Beaucoup de précipitation, oui, pour essayer de conclure ce match. Si on peut le dire. Était déjà parti. Oh, ouais. Finalement, ça rentre pour Devo. Et le temps mort. 72-18 points d'écart. Chart qui encaisse en moyenne 60 points. Donc on est dans les ratios pour l'instant. Les Niçoises qui baissent un peu la tête face à leur performance un peu décevante ce soir, mais on peut souligner la bonne partie des Chartaines. Partager la balle. Si on va jouer vite, vous jouez sur dans la transition sur du early pick and roll. Ok, early pick and roll avec un bon deep roll. Ok, la joueuse qui libère le cap et la poubelle. Supporters chartants ont répondu présents ce soir avec plus de 700 personnes présentes à la halle Jean Cochet qui mettent l'ambiance, qui poussent pour que ces chars basket féminins poursuivent leur série. Et c'est bien parti. On pourrait les remercier de leur présence et de leur soutien qui doit sûrement aider les joueuses à produire des bons baskets et remporter une 16e victoire. C'est bien gagné. Entouré. Autour de l'axe de notre numéro 21. Elise Marier, deuxième faute pour Elise. Troisième faute d'équipe pour Chartres. Il reste 5-40 à jouer dans ce match. On a changé la première passe cette fois-ci. Et la deuxième tentative ne rentre pas. Toujours 1 sur 2. Et le retour pour Evelyn Houtou. Bien donné par Ogoka. Un nouveau Ogoka. Gros duel contre sa compatriote. Ouais. Mais c'est perdu cette fois-ci. Benoît Marty ne comprend pas. Il dit qu'il y a une faute justement de sa compatriote sur Ugoka. L'arbitre qui tente de lui expliquer. Ça va en faveur de la Nigérienne. Nigériane. Et c'est sur 10. Allez, Jean Cochet, tous en
ensemble. Défense. Trois points qui rentrent pas. Marine Debo. Debo à la baguette. Goka qui l'obtient. Une belle contre-attaque. La passe dans le tempo et le lancer pour Goka. Rapidement d'assaut. Faute offensive pour la 11. Fondren. Moins de 5 minutes dans ce match. Possession pour les Bleus. Les Bleus. Elenga, Debo, va falloir shooter, dommage. Petit jump cut. Oh là là. Il y a du monde au rebond, Mautou était toute seule, coincée entre les deux joueuses de Nice. Ça rentre toujours pas pour les Niçoises qui s'y reprennent à plusieurs fois, mais c'est récupéré par Élise Marié. Debo qui vient chercher cette balle. Finalement perdu. Très bien récupéré par Timéra. Il va. Ouais. Sa chance. Mais il ça ne rentre un pas. Peu son shoot. Les Niçoises qui n'y arrivent plus. Ouais. Balle perdue. Un peu décousu ce match. ...57-73. 16-11 pour Chartres. Il reste 3 minutes 20. Il s'infiltre, Goka, très bonne passe, et c'est dedans. Passe décisive, Élise Marié. Élise Marié qui a déjà 9 passes décisives dans ce match. Oh, ce petit bonbon de Camas. Joli 3 points. Ouais. Allez, Elenga. Il a trouvé Élise Marié qui prend sa chance. Le 3 points magnifique de la capitaine. La réponse aux 3 points précédents. Défense. Défense. Oui. Faute antisportive. Pour Elenga. Le grand, le Seyek. Rentre en piste. Il y a des fautes des deux côtés là. Ça, ça a sifflé ce soir. Hein. Surtout sur cette fin de match, un petit peu haché, ouais, comme tu dis. Une 2 sur 2 pour Ejiofor.
possession niçoise. Allez, Jean Cochet, 2 minutes à jouer. Tout le monde. Défense. Oh, le nouveau petit bonbon, 2 d'affilée pour Camas. C'est très bien fait. Allez, on revient à 13 points. Il va falloir rester solide du côté des Chartraines. Oh là là, c'est bien fait par le grand, très bien match. Fait. Le grand. Caris le grand qui fait son match. Marché, possession, Le Saïek pensait qu'on lui reprochait une faute. Allez, Jean Pochet, on va se mais elle bénéficie d'un marché de la niçoise. À jouer, demandé par Benoît Marty, je veux toute la halle. Jean Pochet debout. Tout le monde va qui va taper. Encore une fois, c'est parti. Jean Pochet, on se lève. Temps mort pris par Benoît Marty. À tout le monde. 1 minute 36 du tout terme de cette rencontre. C'est mieux si on fait comme ça plutôt. On l'a entendu, Benoît Marty qui veut garder cette différence, cet avantage de 15 points, pourquoi pas en mettre un peu plus, alourdir un peu l'écart. 80 points, c'est un beau score. Un beau cadeau Noël, ballon perdu, attention. Oui, on voit qu'en profite. Presse tout terrain, l'équipe de Nice. Élise Marié, il y a de l'espace. C'est bien trouvé pour Emma. Dommage, ce 3 points qui ne rentre pas. Ça va être un petit peu décousu cette dernière minute. Sortie balle, possession, Nice. Et temps mort pour Nice. Assiste un sursaut d'orgueil des Niçoises qui, en cette fin de rencontre, vont pousser pour réduire au maximum cet écart de 13 points. Et là, on fait la remise en jeu. Okay. À 7. Niçoise, 1 minute 13. 13 points, les gars. C'est court. Sortie de balle, possession, Blue Lights. Tout le monde. Toujours la presse de Niçoise sur les remises en jeu. La
balle est bien remontée. Ouais. Char qui peut faire tourner hein, tranquillement. On est rentré dans cette dernière minute. On a fait tour. Elenga qui prend le shoot. Ça ne rentre pas récupéré. On refait tourner. Le temps passe pour cette victoire de l'équipe de Chartres. 5 secondes, 4 secondes. Et ça ne rentre pas pour Elenga. Dommage. C'est bien fait. Récupéré à nouveau pour Chartres. Sophie Elenga qui était toute seule. Qui prend le temps de faire écouler un peu ces dernières secondes. Cette offensive. C'est Elenga qui est sanctionné. Il reste peu de temps, 10 secondes. Ouais, ouais. Bon, au niveau arbitrage, on a vu ce qu'il fallait en termes de faute. Hein. Le sapin Noël est bien décoré. Le public qui est debout. T'as conscience que c'est une super série qui se poursuit ce soir pour clôturer l'année 2023. Et Nice qui grappille un petit peu son retard. On a vu des talents de footballeuse de Le Seillec, des petites jongles. Et Charty ce soir n'aura perdu que le dernier carton. Changement à Nice avec la sortie. Occasion pour Nice de revenir à 11 points. Et on saluera ce soir le dernier match. Elle est sur le banc. Elle a fait le début de saison de T-Battle qui quitte le club normalement. Hein. Son contrat se terminait le 18 et Udoka est revenu. C'était son premier match ce soir. Un remerciement à elle pour ce début de saison en tout cas. Et c'est fini pour cette belle victoire chartraine, 80-68. Chartres qui revient sur le podium parce que Toulouse vient de perdre ce soir. Et Montbrison a eu très chaud. 67 partout et elle gagne en prison. Ils ont failli perdre. Donc Chartres fait une belle opération ce soir au classement. Qui gagne sans passer par les prolongations du coup. Non, vous voyez ce que ça. Et Udoka qui a réalisé une première performance très solide ce soir. La série qui se poursuit. Les Chartrennes qui sont donc à 6 victoires consécutives. Qui passent. Ouais. Un bilan positif à domicile en ayant gagné 3 matchs sur 5. 4 jeux à plus de 10 points. Pétour 15 points, Maouti 14, Udoka 14 et Debo 11. Tout ça en tournant à 10, à 10 joueuses. Et en face, le super match des Geoffort, vraiment il est impressionnant dans cette équipe. Et un petit bonsoir à Alban, dont c'est l'anniversaire ce soir. Je le salue. On se verra l'année prochaine. Alban. Puisque la victoire est là, mais c'est aussi un moment de grande émotion. On va continuer à faire la fête tous ensemble. Vos joueuses vont venir vous voir dans quelques secondes. Mais avant ça, il va y avoir un petit moment où Benoît Martin va avoir quelque chose à vous dire. Mais on peut faire encore une fois un maximum de bruit pour vous. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Ce soir, où que vous soyez, j'espère que vous êtes régalés devant cette belle performance de cette équipe chartraine qui remercie Battle pour sa présence et pour toute son aide durant sa pige chartraine. On vous souhaite une très bonne soirée et à très vite pour le prochain match de Chartres à domicile début janvier. Bonne soirée.